gonna bless it.
Le lendemain, à l'hôpital, mes parents, quand je suis assis pour tous ces points, juste pour
Il y a ma tante qui me fatigue comme ça. La grande soeur de mon papa. Elle a 4 enfants qui travaillent. Ma pauvre, mais une pauvre femme comme ça, elle va au Brésil, Congo, Panama. Bonjour mes enfants. Quand on finit de faire Hosanna, on ne garde plus ça à la maison. Je me fais un don. En partant en route, en balance, c'est fini. La Bible n'a pas dit au temps de Jésus, on a gardé à la maison pour ne pas que les sorciers entrent. Non, ça n'a rien à voir. Quand on finit de dire Hosanna, on fait quoi? On jette. Ça ne va jamais finir. L'année prochaine, tu vas avoir encore. Amen. C'est normal. Vous savez, pour la première fois, Jésus s'est révélé comme roi. Il entrait toujours à Jérusalem en se cachant. Mais il a dit, aujourd'hui, à la veille de la Pâque, voilà pourquoi toute élévation se fait à la veille de la Pâque. Tout ce qui est mort se fait à la veille de la Pâque. Comprenez-moi que la veille de la Pâque, c'est une période trop compliquée et difficile. Donc très souvent, j'aime dire à mes chrétiens, je n'ai pas voyagé à la veille de la Pâque. Parce que la veille de la Pâque, ce qu'on n'a pas pu attraper en janvier, c'est la Pâque qu'on veut attraper absolument. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Mais on ne t'attrapera pas au nom de Jésus. On ne t'attrapera pas au nom de Jésus. On ne t'attrapera pas au nom de Jésus. Donc la veille de la Pâque, remarquez très souvent, les grands hommes, surtout spirituels, quand Dieu doit les prendre, c'est la veille de la Pâque. Il n'y a pas une nuit plus dangereuse que la nuit de Pâque. Parce que c'est une nuit où ça passe, où ça casse. Donc pour un homme spirituel qui connaît les entités, veille de Pâques, il ne dort pas. Que le vendredi de Pâques. C'est un vendredi trop dangereux. Dangereux pour l'être humain. Donc comprends avec moi que la semaine pascale, parce que la révélation qui est dans la Pâque, c'est la mort et la résurrection. Donc très souvent, le diable se sert du vendredi de Pâques pour faire ce qu'il a envie de faire. Dis Amen. Un peu de sacrifice. Cette semaine reste en place. Peut-être c'est même pas pour toi, mais quelqu'un peut être dans le cas, il est programmé. Mais à cause de lui seulement, tu peux avoir des problèmes. Dans cette semaine pascale, tu vas commencer. Il ne faut pas bouger. Parce que dimanche prochain, culte ne sera pas culte. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Culte ne sera pas culte. Amen. Amen. Ben, je voudrais que les chrétiens viennent, on va prier. On finit à 13h00. Amen. Il n'y a rien d'intéressant que la présence de Dieu. Quand un homme maîtrise son sujet, c'est bon. Tu es chrétien, tu es chrétienne, il faut maîtriser ton sujet. J'ai dit à un monsieur, tu sauras que je suis prophète. Parce que je lui ai donné une révélation, il ne croyait pas trop. Je lui ai dit, la nuit de samedi ne passera pas. La nuit de samedi où je prêche ne passera pas. Je te dis que ta grande soeur est sorcière, tu discutes avec moi, ça ne passera pas. Elle va mourir à 3h du matin.
Et à 4 heures, ils vont t'appeler. Et toi, tu vas me réveiller. Il croyait pas. Il était dans les nuages. Bon, on va voir. Moi, j'ai souri. Il me réveille, je ne sais pas, il était quelle heure. Je dormais. Aujourd'hui, j'ai pris le bon plaisir de me réveiller à 7 heures. Il pleure. Ce que tu as dit là, arrivé, on m'a appelé, ma grande soeur est décédée. Il dit, il ne faut pas m'appeler. Je t'avais dit, moi je ne suis pas pasteur, je suis prophète. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, c'est un pasteur qui peut t'amadouer. Mais le prophète te dit ce qui doit arriver. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi la semaine de Pâques, moi je te demande pardon, il ne faut pas bouger. Je te demande pardon, il ne faut pas bouger. Vendredi de Pâques, à la veille de Pâques, puis le vendredi qui vient, on ne va pas se retrouver ici, mais que chacun soit en jeûne à la maison. Il faut que tu te tiennes à la brèche pour ta famille. Vendredi de Pâques, fais un effort. Je dis à toute l'église de prier au moins 3 heures du temps. Je ne sais pas comment tu vas répartir ton temps. Mais vendredi de Pâques, toute l'assemblée prie 3 heures du temps. Je ne sais pas si tu as commencé le matin, mais tu as fait une heure, ça je ne sais pas. Mais vendredi de Pâques, regarde comment ton cœur bat tellement que tu n'es pas habitué à la prière. C'est dans la prière, les portes s'ouvrent. Je vous l'ai dit, c'est dans la prière. Il y a des portes qu'on ouvre avec la clé. Que ton prophète a parlé et puis ça ne s'est pas accompli. Une fois, deux fois, on ne croit plus en lui. Dieu fait de telle sorte que ta foi grandisse en lui tous les jours et ta foi grandit aussi en ton prophète. Parce que même si tu crois en Dieu, que celui qui est en face de toi, que tu ne crois pas en lui, quand il prie pour toi, Dieu n'agit pas. Que seulement, en Jésus seulement, que tu ne crois pas au canal, même quand le canal va prier, le miracle ne va pas venir. Le miracle ne va pas venir. Le miracle vient en collaboration. En collaboration. Parce que le miracle passe comme ça. Mais si tu crois là et tu ne crois pas là, là sera bloqué. Là sera bloqué. Je veux dire que la main de Dieu sera limitée comme ça, mais le canal ne pourra pas produire. Le canal ne pourra pas produire. C'est comme le fil d'électricité. Suivez-moi s'il vous plaît. On me suit? Je vais chauffer la parole tout à l'heure, mais suis-moi un peu d'abord. C'est comme l'électricité. Ouais, mon fils. Ok, mon fils, l'électricité qui vient là, qui vient là. Mais quand tu coupes ici, quand tu enlèves les dominos là, ici est privé, c'est ça? C'est la même chose. Ici est Dieu, tu crois en Dieu. Il y a le courant brut. Maintenant, l'homme de Dieu, tu ne crois pas en lui. Quand ça arrive à son niveau, son onction ne peut pas te couvrir. Donc, 2 Chroniques, je crois, 20-20. C'est écrit. Quand tu ne crois pas à l'homme de Dieu, le miracle ne vient pas. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne doit pas se comporter d'une manière bizarre. Remarquez, j'ai des chrétiens ici depuis 10 ans ensemble. Je n'ai jamais passé 30 minutes chez quelqu'un. Demandez-les, ils vont vous dire. Moi, ne m'accueille jamais avec un plat, je ne mangerai pas. Non? Si tu veux que je mange ta nourriture, tu me respectes très bien, tu prépares et tu m'envoies, je mange. Mais je vais arriver chez toi et à manger, je suis à table. Non, ça, Dieu ne fait pas ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu agit comme l'éclair. Donc l'homme de Dieu également est comme l'éclair. Voilà pourquoi qu'un homme de Dieu arrive chez toi, la seule chose que tu peux faire, même si tu n'as pas l'argent, prends crédit pour lui donner l'argent. Parce qu'il vient avec une grâce. Remarquez, quand un homme de Dieu se familiarise trop avec l'assemblée, Dieu n'agit plus. Dieu n'agit plus. Même quand tu regardes les sacrificateurs, Dieu dit, entre vous et le peuple, il doit avoir combien de mètres? 5 mètres. C'est ça? 5 mètres. Quelqu'un me donne 5 mètres.
Bon, de là à où? Quelqu'un n'a qu'à venir ici. Voilà 5 mètres. Non, tu ne marches pas bien. À la deuxième rangée. Voilà, là-bas. Qui veut dire qu'un homme de Dieu dort dans une maison pastorale où le temple est dedans, on ne le respecte pas. L'homme de Dieu, c'est un mystère. L'homme de Dieu, c'est un mystère. Il faut vivre avec lui pendant 20 ans, mais il doit rester toujours un mystère. Le jour où tu le découvres, c'est fini. Le jour où tu le découvres, c'est fini. Quand je parle de découvrir, tu veux dire quoi? Tu connais ses heures de sommeil, tu sais ce qu'il aime, tu sais quand il vient chez toi, il a la télécommande, c'est lui qui fait tout maintenant dans la maison. C'est fini. Dieu ne travaillera plus. Il restera un mystère. Un pasteur, un leader du moins, son père, son fils lui demande, papa, est-ce que tu manges? Il dit, je ne mange pas. Parce qu'il n'a jamais vu son père spirituel en train de manger. Ça, c'est l'anglophone. Il dit, papa, est-ce que tu fais le sel? Excuse-moi. Il dit, je n'ai jamais fait de sel depuis que tu es né. Papa, est-ce que tu es une fois uriné? Je n'ai jamais uriné depuis que tu es né. Il parle à un jeune pasteur. Parce que vous voulez l'amener dans une dimension. Il regarde son père et dit, tiens, mais c'est Dieu. Non, mon papa est Dieu. Papa, est-ce que tu dors? Je n'ai jamais dormi depuis que je suis dans le ministère. Il voulait l'envoyer dans une perfection. Quand il regarde son papa fait peur. Mais c'est un bûcheur. Lui qui arrive chez toi, s'il s'assoit, s'il a fait 10 minutes, à ce que Dieu t'a visité. Lui qui arrive, il dit, bon, ce pourquoi je suis venu, voilà ça, voilà ça, voilà ça, que le Seigneur nous bénisse, au revoir. Il est parti. Quand c'est comme ça, tu as la soif de le voir encore demain. Mais tu arrives, petit déjeuner, tu as fini, déjeuner, tu as fini, dîner, tu as fini. Et là, il est en train de somnoler. Donne-lui le divan, il va dormir. Il dort, tu ouvres ta bouche, tout le monde te regarde. Dieu travaillera plus. La réussite dépend de ton père spirituel. C'est ce qu'il dira sur toi qui va te donner la réussite. Donc un père, non, c'est trop un mystère. Donne les choses, on n'entre pas dedans. Quand les enfants coupent en main, ils ne savent pas se cacher. Ils pensent qu'il est caché, tu le regardes et tu le vois. Père, il n'a pas de repère et il se perd. Ça c'est clair. Si tu veux, il faut dormir sans prier. Mais l'onction que si ton père te reconnaît, je ne t'encourage pas à la paresse. Mais si tu es fatigué, comment? Tu peux te mettre en genoux. Dieu de mon père, protège-moi. C'est biblique. On dit Dieu d'Abraham, Abraham ne vit plus. On dit Dieu d'Isaac, Isaac ne vit plus. Mais ton père spirituel vit encore. Son Dieu est ton Dieu. Dis Amen plus fort. C'est vrai ou c'est faux? Quelque chose m'a fait rire. Elle pleure, papa, je ne sais pas qu'elle pouvait prendre grossesse. Je dis, non. Tu es tombé sur une bonne action. J'ai eu à cœur d'agiter de l'eau. Quand tu as bu, tu vas tomber en scène forcée. C'est un ordre, c'est un impératif. Tu vas tomber en scène forcée. Voilà ma fille Léonie. Ma vie, tu te maries quand même. Le premier, le 11 mai, fais-moi un bisou. Viens me faire bisou. Un bisou. Ça fait combien d'années tu es ici? Ma fille, ça fait combien d'années tu es ici? 2004. Ça fait combien de temps? Comme tu n'as pas d'idée, pour qu'elle entre ici, ils l'ont soulevé pour qu'elle entre. J'étais assis là. Quand il est venu, je me suis tenu debout. Elle priait avec un pasteur. Le pasteur lui a dit, quand quelqu'un tombe, moi je marche plus avec lui. Nawale, puis je parle. Le pasteur lui a dit, elle faisait tout dans l'église. Le pasteur dit, quand quelqu'un tombe, moi je marche plus avec lui. Malade, comme tu n'as pas d'idée. C'est comme ça, je me suis couché. Quand je me suis couché, il y avait une tombe au devant d'elle. Mais Dieu m'a fait voir la tombe, j'ai fermé la tombe. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et dis-toi que cette église, c'est ton église. Tu vas te marier et ça marchera pour toi. Là, voilà aujourd'hui. Mais dans son cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver.
Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Voilà pourquoi, mes enfants, ne changez pas de père spirituel à tort et à travers. Non. Ah, c'est lui qui a commencé. Ça fait 12 ans, bien compté que le ministère existe. Bon, la 13e année. Mais en réalité, ici, on est ici, ça fait quoi, 9 ans ou 10 ans que nous sommes dans ce quartier. Donc, un père spirituel, écoute-moi bien. Il est content d'attendre que quelqu'un assis et l'écoute depuis 10 ans et puis n'est pas fatigué de l'écouter avec moi. Non, c'est clair. C'est clair. Un père spirituel, il est comme l'aigle. Quand il vieillit, Dieu enlève tout ce qui est mauvais en lui et il rajeunit. Il rajeunit. Quand tu n'es pas fier de parler de ton père spirituel, il n'est pas ton papa. Ah non. Quand tu n'es pas fier de parler de ton père spirituel, c'est qu'il n'est pas ton papa. Quand tu vois chacun assis ici, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Claire. Ce matin, je vais te mettre en confiance. En disant, ce pourquoi tu es venu, Dieu va t'exaucer. Il a la capacité de changer la destinée de ses enfants. Un père spirituel, c'est pas la blague. Par moments, ça me fait rire. Quand il dit aux gens, vous êtes exaucés, ne faites pas des rangs. Il veut que je le touche absolument. Non, même si tu touches, c'est la parole. La parole qu'elle donne, il faut la prendre, c'est fini. J'ai dit à l'une de mes filles, il y a 4 semaines, et tu m'as habillé pendant 5 ans, 6 ans. La situation du pays vraiment t'a créé beaucoup de problèmes. Mais je t'appelle à 2h du matin pour te dire, tu vas avoir un marché de 50 millions. Vous serez deux sur le marché. Mais l'autre femme, elle va porter un boubou bleu. Elle va passer avant toi. Mais la chaise qu'ils vont te donner, il ne faut pas t'asseoir dedans. Prends une autre chaise, parce que la chaise sera envoûtée. Elle dit, papa, c'est vrai. Il dit, c'est vrai. Et effectivement, appel d'offre, elle part. Une femme passe avant elle. La chaise, elle regarde la chaise, elle change la chaise. On lui dit, madame, on ne sait pas pourquoi. Tu n'as personne derrière toi, mais on te donne le marché. On te donne le marché. Non, cette femme, elle m'a trop touché dans ma vie. La moitié, plus que la moitié des costumes que je porte, c'est elle qui paye pour moi. Attends. Un homme comme ça, là, s'il a un problème, tu as dormi. Dis pourquoi, papa, tu peux dormir. Il y a des gens, même quand ils ne te donnent rien. Papa, ça non. Peux te tenir debout un peu. C'est pas funérailles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. André, on voulait l'inviter dans une église. Il prend le micro et dit, moi aussi, c'est papa Diop. Mon église, c'est à l'académie. Je ne bouge pas quelque part. Là-bas, là, c'est terminé. Et je suis couché. Pour ma peine, on me dit. Bon, un homme, voici le problème. Est-ce que moi, il va dormir? C'est pas l'argent. L'argent n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais la première des choses qu'un leader regarde, c'est la foi de la brebis. Par moment, les brebis qui n'ont pas transféré, qui marchent et qui viennent à l'église. Un homme comme ça, s'il a problème, tu ne peux pas dormir. Tu dors. C'est Dieu qui donne. L'argent n'est rien. Il y a des brebis. Quand tu ne les vois pas, ton cœur bat. L'argent. Un témoin où j'étais à Dakar, où j'avais problème d'argent. En face de moi, c'est une Mauritanienne. Elle a pris une chambre d'hôtel en face de moi. Je regarde la dame, je veux l'argent. Je veux 1 million. Je regarde la dame, Dieu me dit, mais tu as ton argent avec elle. Elle dit, mais depuis quand? Je ne la connais même pas. Dieu me dit, elle a une perte de sang. Prophétie, la perte de sang va s'arrêter à te donner 1 million. Il dit, je veux ça
avant 3 jours. Quand j'ai prophétisé sur elle, elle est venue voir un médecin. Je savais qu'elle était venue voir un médecin. Et elle a raté le rendez-vous. Quand elle était guérie, son mari dit, on ne sait pas si on va te donner, tu vas prendre ou tu ne vas pas prendre. Il dit, dans mon cœur, je vais prendre. Tu veux dire, l'homme de Dieu est au-dessus de l'argent. L'argent, c'est quoi? Un père. C'est pas la blague. Normalement, pas qu'il vient là. Ici, il a d'autres couverts de poulet. Quel enfant tu es? Pour que ton papa ait ton argent, il doit dire, viens donner à Dieu. Toi-même, il faut te lever volontairement pour dire, je m'en vais vers mon papa. J'ai été béni aujourd'hui. On reçoit sujet de prière, on ne reçoit pas bénédiction. Derrière sujet de prière, quel enfant tu es? Mauvais enfant. Tu es bon au nom de Jésus. Tu es bon au nom de Jésus. Dis amen plus fort. Le retour que Dieu m'a exaucé. On ne reçoit pas le retour. Non, ce n'est pas normal. Normalement, tu sais que ton papa roule voiture. Tu dois dire, ah, cette semaine-là, je dois payer le cabinet de mon papa. Fais-toi remarquer. Fais-toi remarquer. Fais-toi remarquer, l'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. Fais-toi remarquer. Non, quand moi je prie pour mes enfants, je ne dors pas. Je ne dors pas. Si tu as problème, j'ai problème. Roland, viens mon fils. Il était muté maintenant à Abidjan. Viens. Quand l'église a commencé, les mauvaises langues, oh. Le jour où Roland travaille, l'église va tomber. Tu vois ce qu'ils t'ont dit? On dit, Roland, laisse le prophète, va chercher le travail. Tu vois ce qu'ils t'ont dit? Il a dit, Roland, il ne faut même pas aller à gauche, il ne faut pas aller à droite. Reste à côté, tu vas travailler. Quand Roland a commencé à travailler, tous ceux qui parlaient, les becs étaient cloués. Jusqu'à aujourd'hui. Il a été muté à Abidjan, je suis content. Maintenant tu es venu, reprends ton zèle que tu avais avant. Hein Roland, le vent t'a poussé là. Il faut que tu me dises quelque chose. Tu fais à cause de moi. C'est ça un père. Un père, c'est pas un faiblard. Non, 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 non. En temps normal, quand on dit ton père, tu dois être fier de le regarder. Tu dois être fier. On doit dire, ah vraiment, c'est vraiment son papa. Hein. C'est vraiment son papa. Putain, m'a fait rire en semaine. Il dit, on parlait mal des pasteurs. Il y a des jeunes qui parlaient mal de leurs pasteurs. Putain, il leur a dit, Laura Gassi, il leur a dit, moi, mon papa, il n'est pas comme ça. Quand on parle de ton père, défends ton père. Mais il ne faut pas faire par là. Dieu t'a donné ta bouche, il faut que tu parles. Dis amen. Vendredi de Pâques, on prie combien de temps? 3 heures de temps. Ce vendredi a trop de mystères dedans. Vendredi de Pâques, j'ai un grand sacerdoce à faire. C'est que les gens ont condamné jusqu'à ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Sacerdoce qui veut dire action prophétique. C'est tout. Tu veux dire action prophétique. Vendredi de Pâques. Si tu connais mon numéro, à partir de 20h, appelle-moi. Je ne sais pas comment le portable va exploser, mais appelle-moi. Si je ne réponds plus, il faut me laisser ça. C'est que trop d'hommes m'ont appelé avant toi. Vendredi de Pâques. Qui vient, si tu as un voyage, laisse le voyage tomber. Pardon, moi je demande pardon. Bible, je vais prêcher en 15 minutes. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1 à 6, on n'ira pas à pas. Chapitre 2 à partir du verset 1. Non.
Apocalypse chapitre 2, doucement, doucement. Lecture là pour faire, c'est difficile. Oui, vas-y, Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Voici celui qui dit ce qui, celui qui tient les sept étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Mm-hmm. Que tu as éprouvé ceux qui se disent à haut. Oui. Et qui ne le sont pas. Oui. Et que tu les as trouvés menteurs. Oui. Que tu as de la persévérance. Que tu as de la persévérance. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Souligne. Tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Et que tu ne t'es point lassé. Tu n'as pas relâché. Ça, c'est bon. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Retourne-toi. Répands-toi. Souligne et pratique tes premières œuvres. Ton chandelier de ta place, de sa place. À moins que mm-hmm. tu oui. Tu as pourtant ceci. Mm-hmm. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Mm-hmm. Œuvres que je t'ai aussi. Mm-hmm. Vas-y. Oui, vas-y. Tout celui mm-hmm. qui a des oreilles qui entendent, tout ce que l'Esprit dit pour l'Église. Mm-hmm. À celui qui viendra, je donnerai à manger de l'arbre de vie mm-hmm. qui est le l'arbre de Dieu. Merci. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur pour sa parole. La lettre qui était écrite à une église. La lettre n'a pas dit l'église a rétrogradé. Non. Tu n'as pas rétrogradé. Tu es resté toujours dans la maison du Seigneur. Mais désolé. Tu as perdu ton premier amour. Auparavant, tu aimais Dieu. Tu parlais de Dieu à tout le monde. Auparavant, ta vie de prière était très élevée. Auparavant, tu ne pouvais même pas t'asseoir avec quelqu'un pour calomnier. Auparavant, quand même quelqu'un parle mal, même de quelqu'un, tu tires ton tabouret, tu ne parles plus avec lui. Mais ce que Dieu a contre nous ce matin, c'est qu'on a perdu notre premier amour. C'est qu'on est en train de légaliser même ce qu'on ne faisait pas avant. Dieu dit, c'est pas normal. Tu as de la persévérance, c'est vrai. Je te vois à l'église matin, je te vois le soir, c'est vrai. Mais ce que Dieu a contre nous, on a perdu notre premier amour. On n'est plus comme avant. Or, Dieu nous avait planté comme un arbre dont il prenait soin tout le temps. Il arrosait tout le temps, espérant avoir du fruit. Mais, désolé, on n'a pas rétrogradé, on n'est pas dehors, on n'est pas dedans, on est, je ne sais pas où on est aujourd'hui. Et la Bible dit, répands-toi, sinon je viendrai ôter ton chandelier. Tu veux dire quoi? Tu veux dire ton chandelier existe encore. Mais, si tu continues, le chandelier sera ôté. Or, le chandelier, c'est la présence de Dieu. Le chandelier peut être alimenté seulement par la prière. La prière qui est le moteur du chandelier. Parce qu'en fait, le chandelier, quand tu le déposes, il a sept branches. Les sept branches qui symbolisent les sept, comment on appelle, les sept jours de la semaine. Ça symbolise les mardis, mercredis, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche. Et ça éclaire. Mais pour qu'il éclaire fort, il faut que ta persévérance avec Dieu et la crainte de Dieu dans ton cœur et ton premier amour soient activés. Plus ton amour est activé vers Dieu, plus le chandelier pointe très très fort. Tu n'as pas rétrogradé, c'est vrai, ça c'est déjà bon. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont chrétiens, mais en eux tu n'as pas vu une bonne vie chrétienne. Tu t'es séparé de ça, c'est déjà bon. Mais ce que Dieu a contre nous, on a perdu notre premier amour. Même pour
pour prier, on est devenu lourd, on ne peut même pas se lever pour prier. Même pour jeûner, ça devient toute une histoire. Même pour aller rendre visite, fortifier quelqu'un, prendre la Bible, fortifier, là même ça devient même encore une autre histoire. Je ne peux pas concevoir qu'un chrétien se lève matin, il ne prie pas. Un chrétien se lève matin, il ne lit même pas sa Bible. Mais la Bible est là pourquoi? Toute la vie d'un être humain se résume ici. Regardez la chair, s'il vous plaît. Qui a sa Bible? Soulevez la Bible, il va voir. Il va voir. Soulevez bien. Tandis, il dit le carton de Bible est là, non? Soulevez bien. Donc, tu ne médites pas. Tu n'as pas Bible. Ah, là, ça me choque. Ça me choque. Tu peux payer Rome 50 000. Tu peux payer Jésus 20 000. Mais Bible 3 500. Tu vas te faire entrer dans le paradis céleste. Ça, tu ne peux pas payer. Non, ça, ça fait honte. Où est le carton de Bible? Tout le monde lève bien la main. Je ne te donne pas Bible. Toi-même, tu vas payer ta Bible. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Je vous donne un exemple simple. Quand un homme connaît une jeune fille qu'il a mariée la première semaine, c'est comme l'arbre et l'écorce. S'ils font parable, il faut les regarder comme ça. Parce que quand ils vont commencer à se réconcilier, c'est de toi qu'on commence à parler. Le monsieur répond, c'était quoi même? Et puis il est venu facile, il t'a attrapé la France, ça m'a énervé. Tu as remarqué, non? Tu as remarqué. C'est la même chose. Quand on nous a parlé de Jésus pour la première fois, nos deux premières années dans la foi, regardez comment on méditait. Regardez comment on parlait de Jésus est zèle. Mais ce qui est mauvais, plus on vieillit dans la foi, plus la foi diminue. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Pour toi-même, la payer, dis-moi, ça, ce n'est plus d'actualité, c'est même pas ton problème. Laisse ça, on a fait ça il y a longtemps. Toi, tu viens d'arriver, on a fait ça il y a longtemps. Laisse ça. Non, tu peux aller à l'église aujourd'hui, ce dimanche, l'autre dimanche, tu peux rater, tu rattrapes. Ça, c'est rien, laisse ça. Moi, je venais avant, tout le temps, j'étais là. Toi, tu viens d'arriver, toi, tu es soufflé. Il y a des amis comme ça aussi dans la foi. Il y a des gens qui ont dit, bon, qui va donner ça, qui va se faire, il faut t'asseoir. Toi, tu aimes trop te faire voir, il faut t'asseoir. Si quelqu'un te fait ça dans la foi, il faut te dire que c'est ton ennemi. C'est vrai, par moments, on peut être affaibli dans la foi, mais on ne s'affaiblit pas pour l'éternité. Ton premier amour, il est important. Le premier amour qu'on a pour Dieu. Non, là tu vois tout en diable. Ton premier amour. Non. Tu vois tout en diable. Tu vois que Dieu, et c'est tout. Voilà pourquoi un nouveau chrétien, remarquez, quand quelqu'un vient, quand un nouveau chrétien, il vient, son miracle est trop rapide que celui qui a duré dans la foi. Parce que plus tu as duré, plus tu es assis, tu t'es enraciné. Ça ne te dit plus rien. Bon, il n'a qu'à finir, on va partir cette histoire-là. Quand il est midi, il fait trop chaud ici. Sinon, quand Dieu ôte le chandelier, c'est fini. Tu veux dire, tu as perdu la présence de Dieu. Même il y a des chandeliers même, qui sont ôtés même en face de moi, qu'on doit récupérer ce matin. Amen. Le moteur de la vie chrétienne, c'est le jeûne et la prière. Le moteur de la vie chrétienne, c'est se mettre en genoux et chercher la face de Dieu. Sinon, tu vas aller de déception en déception. Un homme ne peut rien faire pour toi. Même ton prophète ne peut rien faire pour toi. Ton mari ne peut rien faire pour toi. Ta femme ne peut rien faire pour toi. Ton homme, même qui est ministre, ne peut rien faire pour toi. C'est en genoux un miracle se produit. La Bible dit Mardoché a appris qu'on doit tuer tous les Juifs. Mardoché s'est mis en genoux. Il a fait gêner toute l'assemblée. Le roi a refusé de dormir à cause de l'effet de la prière des Juifs.
La seule âme qui rend Dieu sensible à notre vie, c'est la prière. C'est même pas tes larmes. Un homme qui pleure, Dieu s'en fout de ses larmes. Mais Dieu aime le verbe. Parce que tout a commencé par la parole. Mais maintenant, là même là, tu pêches même, ça ne te dit plus rien. Là, c'est un autre débat. On appelle ça la conscience est morte. Or, quand la conscience est morte, Dieu ne marche plus avec toi. Mais quand la conscience vit, même quand tu as péché, la conscience te dit, répands-toi. Comme quelqu'un qui te presse, répands-toi. Le même passage. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange, c'est qui? L'ange, c'est l'homme de Dieu. Le message qu'il reçoit. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Tu veux dire, celui qui tient ton souffle, parce que tu respires tous les jours, celui qui tient ton souffle, voilà ce qu'il déclare. Oui. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu de la gloire. Tu veux dire, la gloire en temps normal pour l'enfant de Dieu, c'est tous les jours. Celui qui marche dans la gloire du premier au trentième, voilà ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Ton travail. Tu m'as dit auparavant, tu as travaillé. Ça, Dieu sait. Auparavant, tu donnais. Ça, Dieu sait. Auparavant, tu pouvais même venir dormir à l'église, chercher la face de Dieu. Ça, Dieu sait. Auparavant, quand quelqu'un a un problème, tu es sensible. Ça, Dieu sait. Vas-y. Ta persévérance. Dieu sait. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Dieu sait qu'auparavant, quand quelqu'un ne confesse pas son nom, tu ne le supportes pas. Ça, Dieu sait. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as éprouvé même ceux qui se disent apôtres chrétiens et qui ne le sont pas. Tu as coupé avec eux. Ça, Dieu sait. Et que tu les as trouvés menteurs. Ça, Dieu sait.